février 2020, nous sommes de proclamer la victoire au nom de Jésus. Nous devons avoir la main. Nous sommes de proclamer votre mort. Au courant, devant le février 2020, le renseignement, la finance, l'humiliation, le nom de Jésus, nous devons tout proclamer. Nous devons avoir une place. Nous devons avoir une place. Dans le nom de Jésus-Christ,
Bible dit que tout ce qui toi béira sera béni. Amen. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui doit arriver est déjà programmé. Et le chrétien que tu es, tu as le pouvoir, tu as ces deux forces. Il y a ce qu'on appelle le lié et le délié. Le diable, lui, c'est lié, il ne s'est pas délié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que et le semeur sème la parole. Amen. Et il maîtrise le temps. Ils ont déjà programmé les choses. C'est à toi de te programmer. Amen. 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 Et nous savons que l'année a 12 mois. C'est pas ça? Amen. Et le chiffre 12, c'est le chiffre d'or. C'est or. Tout doit rentrer en or dans ta vie. Dis amen. Amen. Et quand vous allez compter le 12, ça fait 3, n'est-ce pas? Amen. Et le chiffre 3, en numérologie biblique, c'est le chiffre de la victoire. Amen. On dit amen. Amen. C'est le chiffre de la victoire. L'année 2015 sera pour toi une année de victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas commencer à parler. Pour dire tous ceux qui ne veulent pas me voir réussir. Ceux qui ne veulent pas me voir entrer dans ma destinée. Que ces personnes en périssent au nom de Jésus. Tu vas commencer à parler. Parle. Cette année et entrer en 2015. Et 2015 est pour nous une année de victoire. Amen. Une année de victoire sur la pauvreté. Amen. La victoire sur la maladie. Amen. La victoire sur le célibat. Amen. La victoire sur le blocage. Amen. La victoire sur le non-aboutissement. Amen. La victoire sur la mort. Amen. Je la convoque devant le tribunal de Dieu. Amen. Tous tes ennemis ce matin, ce soir, je les convoque devant le tribunal de Dieu. Je les convoque devant le tribunal de Dieu. C'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu Jehovah Shabbat. L'éternel est Dieu des armées. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, aucune nation ne peut vaincre Israël
à cause de la puissance de son Dieu. Amen. Et le Dieu d'Israël est notre Dieu. Amen. Donc là, ceux qui ont en eux, qui ne veulent pas que tu entres dans leur dans ta destinée, je les convoque devant le tribunal de Dieu. Et maintenant, je les livre à la mort. Amen. Je les livre à la mort. Dans le nom de Jésus. Amen. Je les livre à la mort. Amen. Je les livre à la mort. Amen. J'envoie l'épée de Dieu contre eux. Amen. J'envoie l'épée de Dieu contre eux. Amen. Je leur fais fléchir les genoux. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas lever la main pour dire qu'il y avait dans les camps du diable, dans les camps des pères sorciers, le feu, la malédiction, le feu chitaïen, c'est comme la parole, la malédiction dans les camps, la malédiction dans les camps, la malédiction dans les camps, la malédiction dans les camps. C'est le même pas. Avec le malheur.